Alors, il y a quelqu'un ou pas? Dépêche-toi, viens, 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 j'ai trop peur là. Attends, 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 je ferme la porte à clé de la chambre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as vu quelque chose? J'ai vu quelqu'un, ouais, un vieux, il était dans le salon. Quoi? Il y a vraiment quelqu'un dans l'appartement? Oui, il a pris plein d'affaires et je pense qu'il est parti. Il a pris des affaires? Oui, des t-shirts et tout. C'est une blague, il a pris nos affaires. Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, on est toujours en vacances avec Lily Rose, notre cousin Valentin, comme vous pouvez le voir. Peppa Pink, on a décidé de partir de notre maison pendant une semaine parce que dans notre maison à Lille, c'est catastrophique en ce moment. Il y a des gens qui arrêtent pas de rentrer chez nous. Il y a des voleurs, tous les jours, il y a des voleurs qui frappent à notre porte. On entend des bruits la nuit, il y a des fantômes. Enfin bref, dans notre maison, c'est catastrophique. On a décidé de se reposer en partant en vacances, sauf que là, ça fait 2 jours qu'on est là, c'est une catastrophe. Là, ça fait 30 minutes qu'on entend quelqu'un gratter à la porte d'entrée de l'appartement. On entendait vraiment des bruits comme ça, comme si quelqu'un essayait de casser la poignée, ou on entendait taper avec des outils, tout ça. Là, j'ai envoyé Valentin. Alors, pour une fois, t'as pas eu peur? Oui, bah maintenant j'ai peur. Pour une fois, il a pas eu peur, il est allé voir. Et du coup, il y a vraiment un vieux en dessous là. Oui, il y avait une barbe noire, une barbe blanche, des cheveux blancs. Mais c'est le Père Noël ou... Bah, il ressemblait au Père Noël, mais c'était pas le Père Noël, je pense. Oui, bah oui, le Père Noël, il rentre pas chez les gens pour voler des trucs. Bon, écoute, tu vas retourner voir ce qui se passe. Quoi? Et tu vas le virer de la maison. Quoi? Non, j'ai pas envie. Tiens, c'est marrant, ils ont laissé plein d'affaires dans cet appartement. À mon avis, ils sont en vacances. Je vais tout leur prendre. Oh, regardez-moi ça, ce beau set de table. Oh, cette belle tasse. Je vais tout leur prendre et ils repartiront chez eux avec rien du tout. Allez, si. Non, j'ai peur. Non mais déjà, on crie pas comme ça, sinon il va nous entendre. Allez. Allez, toi, vas-y. Non, vas-y. C'est parti à clé. Dépêche-toi, bah ouvre. Oh, c'est pas possible. J'ai pas. Aide-moi. Allez, vas-y. Mais non, je vais pas t'aider, je vais pas t'aider. Mais si. Non. Non, non, allez. Vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi, va voir ce qui se passe. Va voir ce qui se passe. Non, moi les amis, j'ai trop peur. Je vais dans ma chambre. Je reste ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, rien du tout. Qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais que vous étiez parti à la plage. Vous êtes qui? Je suis chez vous. Je viens chez vous pour tout voler. Non. Je déteste les gens qui partent en vacances. Moi, je suis jamais parti en vacances de ma vie. On m'a jamais laissé partir en vacances. Mais alors maintenant, je vais me venger. Venez ici. Viens chez moi. Moi, j'ai trop peur de voir ce qui se passe. Imaginez, c'est un voleur méchant et il vient pour prendre toutes nos affaires, toutes les affaires qu'on a emmenées en vacances. Oh non, 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 ça irait pas du tout. Sale petit! Allez, viens là! Je vais te montrer ce que je vais te faire! Non! Viens ici! Non! Viens ici! Viens ici! Ah, j'espère que ça se passe bien avec le voleur. J'ai l'impression qu'ils sont en train de parler, mais que ça se passe pas si bien que ça. Moi, je peux pas monter. Je peux pas monter les escaliers. Je suis trop vieux. Ah, c'est pas grave. Je vais continuer à leur voler des affaires. Ah bah tiens, une belle petite sacoche. Hop, ça c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ah, j'adore le piano. Non, ah, mais bon, suffit. Le piano, ça va être un peu trop lourd à ça transporter. Suffit, en fait. Comment vous ça suffit? Restez ici. Allez-vous-en. Lâche-moi. Ah, c'est pas possible, il essaie de m'attraper encore. Il essaie de t'attraper? Oui, maintenant faut que tu descendes, que tu m'aides. Ah non, mais moi je t'aide pas, c'est pas possible. Hein. De toute façon, s'il a pris toutes nos affaires, on n'y peut rien. Et il part même pas de l'appartement là, il fait quoi? Bah, il est en train de tout prendre, il a un grand sac maintenant pour mettre toutes ses affaires. Il a un sac? Mais c'est une personne âgée, comment elle peut tout prendre? Ah oui, il dit qu'il a jamais été. Et pourquoi il veut pas aller à l'étage, il veut pas monter? Il a pas envie, il a peur, on dirait. Il a peur de monter à l'étage? Ouais, il doit avoir le vertige. Ah non, c'est peut-être parce qu'il est vieux, il arrive pas à monter les escaliers. Bon, écoutez les amis. Ah oui, je le vois. Il est en train de tout prendre là. Regardez. Il est parti. Bon les amis, visiblement il est en train de fouiller tout l'appartement pour prendre toutes nos affaires de vacances. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il est venu? Mais parce qu'il est jamais parti en vacances, il est jaloux. Il est jaloux? Du coup, parce qu'il est jamais prendre. Parce qu'il est jamais parti en vacances. Mais qu'est-ce qu'on y peut nous? En plus, il y a toutes nos affaires en bas, il y a nos billets de train pour partir, il y a toutes nos affaires pour vivre quand on est pas chez nous. Là, bon, écoute, non, écoute. T'as pas le choix. Il t'a déjà vu. Mmh. C'est toi qui dois y retourner. Non, mais toi, il fait une surprise. Maintenant, tu le connais, voilà. Non. Tu l'as. C'est toujours quand ils sont pas là qu'il se passe des trucs comme ça. Bon, bah, de toute façon, là, vu l'état de...
de la situation, je suis obligé d'y aller, hein, parce que comme t'es pas capable de faire fuir le voleur, hein, voilà, je vais devoir y aller, je vais devoir lui donner des coups d'oreiller, ok? Ok. Comme t'es pas capable de le faire, hein? Bon allez, les amis, je vais prendre la caméra, on va y aller tout doucement et on va essayer de faire fuir ce voleur. Hors de question que je me laisse faire, cette fois il va partir de chez nous. Et stop! Oh non. Et moi je suis pas Valentin, d'accord? Oh, moi je vais pas me les... Non, il me tape avec les coussins, c'est vrai que j'ai laissé en haut le coussin pour le virer. Non, et écoutez, vous allez partir d'ici définitivement et vous allez lâcher mes affaires, d'accord? Hop, rendez-moi ça. Tout ça pour voler des pulls et des gilets. Bon, écoutez, moi j'ai pas envie de rigoler, donc vous allez partir. D'ailleurs, non mais je vais appeler la police tout de suite. Non. Je vais appeler la police tout de suite, ça suffit. Regardez, il essaie de partir par le jardin. Allô? Oui, bonjour. Oui. Oui, je suis 3 rue des Acacias. Et il y a quelqu'un qui est rentré chez nous dans notre appartement de vacances qui est très jaloux parce qu'il est jamais parti en vacances. Et comment ça vous le connaissez? Oui. Un vieil homme avec une barbe blanche et des cheveux blancs. Oui. Non, qu'est-ce que vous faites? Ah non! Non! Partez! Oh, c'est pas possible! Je peux pas le poursuivre par là! Ah, partez! Oh là là! Mais il est en train d'escalader les murs! Oh, c'est pas possible! Les amis, il est en train d'escalader les murs du jardin pour partir par là! Oh, non, je peux pas le poursuivre! Il faut que je reste ici pour surveiller la maison au cas où il se passerait quelque chose d'autre! Oui! Désolé! J'étais en train de le poursuivre parce que là, il est en train de s'échapper par le jardin avec nos affaires. Il a pris un téléphone, il a pris des pulls, des lunettes et... Oh non, je vois même, il a pris mon... Oh non, il a pris ma sacoche. Il a pris ma sacoche avec toutes mes affaires, ma... Oh là là, mon passeport, mes billets de train pour partir. Vous arrivez tout de suite? Ok, ça marche. Oh non, c'est bon, il a réussi à grimper au-dessus du mur. Comment je vais faire? Faut que j'aille voir Valentin, faut que je le prévienne. Je pense qu'on va... On va demander à Peppa Pink et Lily Rose de revenir. On va fouiller tout le quartier pour essayer de le retrouver. Mais là, je peux pas partir tout seul. Il faut que je ferme la maison à clé. Il faut que je fasse en sorte qu'il ne revienne pas et qu'il appelle pas d'autres de ses amis voleurs comme ça pour qu'ils se mettent à tout prendre dans cette maison, dans cet appartement. Sinon, ça va être de notre faute. Valentin, t'es où? Il est parti. Il a réussi à s'enfuir. Valentin? À mon avis, il s'est caché parce qu'il a eu peur. Valentin! Bon, les amis, je pense que Valentin s'est caché, à mon avis, dans un placard parce qu'il a peur du voleur, voilà, alors qu'il l'a vu deux fois. Il a pas l'air très dangereux, mais il a l'air de vraiment nous en vouloir, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine, ciao!